Bienvenue dans la cour mobile. Si tout se passe bien, la prochaine fois que je ferai une vidéo dans ma voiture, ce sera plus la 206. Ah bah avec les clés, ça sera peut-être mieux. On met en route le V12. Eh ouais, mon gars. Oh! Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi on est là? Simplement parce qu'aujourd'hui, je vous amène à un rasso qui se retrouve à Pornichet. Pour ceux qui connaissent, il s'appelle le Vintage Hero. C'est la 6e édition cette année. Et du coup, ben, on va y aller avec McNai et Pistucci. Pour l'instant, je me dirige tout simplement. Enfin, si les gens veulent avancer. Déjà que la limite est de 80, tu roules à 70, putain! Est-ce que je suis beaucoup trop énervé? Oui, c'est probable. Et du coup, là, on va rejoindre Stussy, justement, parce que moi, je vais laisser ma voiture, parce qu'il n'y a aucun intérêt que j'aille avec cette voiture-là. Et c'est beaucoup plus sympa de voyager en civique. Ah d'accord, c'est qu'il y avait une mob. Allez, puissance! Ça, c'est de la puissance, mon gars. Ah non, mais là, il est loin derrière. Hein. Mais tu roules toujours à 70! C'est un début de vidéo beaucoup trop énervé là, les gens. Donc, du coup, voilà le truc. Donc, normalement, on roule en convoi avec d'autres voitures. On se retrouve là-bas tout simplement avec Stussy. Puis ben, on va bien voir qui c'est qui vient avec nous en convoi tout simplement. Allez, à tout de suite. Bon, bah, moi je suis arrivé, je suis en avance. On n'a plus qu'à attendre Stussy tout simplement. Bon, j'espère que le temps va être avec nous parce que là, en ce moment, c'est pas la folie pour ceux qui sont à peu près sur Péri. C'est juste après, on est le samedi, juste après la tempête. En fait, la tempête était passée le vendredi chez nous. C'est pas génial, donc j'espère que ça sera bien. Et ben, j'espère aussi que je vais mieux cadrer que la dernière fois parce que je vous ai pas sorti une vidéo. Parce que tout simplement, il y a une vidéo qui est pas sortie pour l'instant parce que je vous mets des extraits là. C'était cadré à l'arrache. Pourtant, j'ai vu des véhicules de ouf. Mais clairement le cadrage de Corrosif n'était pas là, il passait plus à regarder avec ses vrais yeux qu'à filmer. Bon, il y en aura d'autres, hein, des trucs comme ça, mais enfin vraiment, j'ai vu des bagnoles de fou, quoi. Vous pouvez voir, enfin je vois une S15, une Supra et une Trueno juste à côté, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Donc ouais, c'était vraiment ouf, c'était à Autonation à Blain, pour ceux qui voient où ce que c'était. Donc j'espère que cette fois-ci ça va le faire. Donc on n'a plus qu'à attendre que les gens soient là. Ça y est. J'ai pas filmé l'arrivée parce qu'il pleuvait à mort. Mais un truc de malade. Mais c'est bon, le soleil est de retour. Donc là on est bien. On est dans la Civic. Direction le Rasso maintenant. Les bouchons de merde! Putain, moi je serais allé voie de gauche. Voie de gauche! Et c'est parti! Voie de gauche! Quelle belle imitation! Ouais. J'imite les routiers. T'es rassuré si je te dis qu'on est à plus de 100 mètres de haut? Parce que moi non. Bah. Ouais, c'est pas ouf! C'est pas... Bah, disons que le pont, j'ai. Enfin, je tiens ma vie au pont, quoi. Enfin, je veux dire, comment? Il est bien ce pont. J'aime bien ce pont, ouais, c'est un beau pont, hein. Il est bien le pont de Saint-Nazaire. Non, c'est Si, c'est ça? Non, c'est pas Saint-Nazaire, ça. C'est Cheviré. Cheviré, voilà. Le pont de Cheviré, il est bien, hein. Moi, j'aime bien. Bon, bah, on est arrivé. Ouais, non, ça fait longtemps qu'on est arrivé, mais le temps. J'ai toujours pas fait la vidéo en mode, ouais, ça y est, on est arrivé, tu vois. Tu te calmes. On est arrivé, il y a un peu de voiture. Mais c'est pas cohérent avec le temps. Mais en fait, c'est qu'on a pris le temps, en fait. Mais non, mais tais-toi, parce qu'il faudra que je te floute. Oh, c'est pas grave. Moi, je vais le lire, comme ça. Il y a pas de respect pour les monteurs. On va faire un petit tour, il y a pas mal de petites caisses assez sympathiques. On a attendu bien. Toi, t'as tes lunettes? Tu parles à qui? Non, je te floute pas. Ok. Donc, Ouais. Ah, attends. J'avais une idée sur ça. Hey. La caisse de merde là. Oui. Ça y est, tu l'as?
Enfin, ton 2 Honda Civic MQ7 350 chevaux d'origine. Hors taxe. C'est chez vous là. Vous la connaissez celle-ci? Ouais. La merde. Avec un moteur L4 à l'intérieur. Donc voilà, le J9. Plus de 1000 km. Voilà, alors. Avec ce genre de truc Kikou là, hein? Ouais, c'est ultra. Kikou de Jap Forza là. Il y a pas de plaque à flouter, c'est bien. Bah après le reste, de toute façon, vu que c'est un race public, j'ai pas à flouter les autres. Donc ouais, je m'en fous. Là, le Koro, il a pas besoin de s'emmerder, fait 50 heures de montage. Pour flouter les gens. Floutez-les. Et du coup. Ça, c'est pas gentil ça. H22 à 5. C'est bien le H, série H. H22. Ouais. Es-tu sûr? Certain, regarde. Pour reconnaître un moteur Honda, tu viens là, et c'est marqué H22. Ah, nice. Celle-là, il est marqué D14A4. Et celle-là, c'est peut-être D16Y7 ou D16Y8 si c'est une J8, je sais pas. Ah, et la plaque qui a été enlevée, j'avais pas vu. Ouais. En toute légalité, en mode US, quand même, tu sais. Ouais. Elle est plus celle aussi. Les pop-up là qui sont ouverts. Et du coup, il l'a déplacé parce qu'il était de l'autre côté tout à l'heure. Oui. Le mec il meurt avec son. C'est un café qui vient du Pérou. Je vais chanter espagnol et tout ce soir, tu vois. J'avoue, on dirait. Je ne suis pas contente. Tu rajoutes des gros sourcils. Bon ben voilà, fin de la première journée. On reviendra demain, vu que c'est sur 2 jours. Tu pourras aller à gauche. Là-bas, à gauche là-bas, ouais. Là on a été au DAB, distributeur de bits. Clairement la fatigue est présente, hein. On va pas se le cacher. Ça fait rigoler moi, c'est déjà bien. Je rigole toi ou tu rigoles moi, tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais moi si ça me fait rigoler. Mais dis donc. Tu vas t'envoler toi? Il n'y a point de sourdine ici! Comment tout le monde se retourne? La magie de la Civic, on a l'impression qu'on va vite, mais en fait on était à 50. C'est ça? En première! Et en première! Qui s'y connaissent pas, tu vois, il y a une Ferrari qui se ramène! Ah bah c'est vrai que ça sonne comme un 6 cylindres en fait. C'est une Civic! C'est pas une 6 cylindres, c'est une Civic. Commence à tirer des ennuis. Ce genre d'immeuble. Des tremplins pour Namek. C'est un... Ah putain, j'avoue, c'est des gros tremplins de GTA Online. Tout droit pendant, ouais, 12 000 km. À peu près. 12 000 km pendant tout droit. Pendant tout droit. Récapipette depuis le début, j'ai pas tout compris. Oh, des dodanes! Ah, on y va à l'arrache. Et ça va, toi, t'as le siège confortable. En plus, j'avoue, parce que toi, t'es dans un baquet. C'est pas facile. Alors, il faut que t'ailles là-bas. À gauche, et tout droit. Gauche, tout droit. Ah, une Porsche! Non. C'était une hybride! J'ai fait attention à l'écologie, monsieur! Fabriqué à Stuttgart! À Stuttgart? Yeah! Yeah. Donc là, en fait, là, ici, c'est Los Angeles de... Los Angeles de la Loire Atlantique. Ouais, donc c'est LA de LA. LA de LA, c'est ça. Épisode 2. Épisode 2 des ralentisseurs. Oh, ça m'a frotté. Oh. La ligne toute neuve. C'est le métal qui travaille. On fait pas du bruit, nous. Dérange la tranquillité des vieux. Mais nous, on se balade sur la croisette. C'est ça, on se balade sur la croisette en attendant. On va faire des allers-retours, tranquille. Ça prend pas la tête. On se met ton gros cul, s'il te plaît. On se prend pas la tête, ouais.
petit appareil photo. C'est le genre de panneau qu'on aime. Putain, il y a un passage à bouger. C'est le plus gros retour de flamme que t'as fait dans une demi-vidéo. On nettoie bien le barjozoku. Ouais, qu'il soit clean. Clean comme ta caisse. Exactement. Tu dis pas qu'elle est clean ma caisse FDP. Eh ben t'es sur la voiture ce machin là. Ça va rayer la caisse. Coup de tuyau. En fait ça nettoie ta caisse mais ça crée d'autres rayures tu vois. En fait ce lavage il est en partenariat avec un carrossier tu vois. Ça raille ta caisse derrière, c'est obligé d'aller la refaire. C'est arnaque. En plus, il va sucer une caisse. Je profite qu'il lave sa voiture pour vous parler un petit peu du Utip. Si vous avez envie de soutenir la chaîne sur ce genre de projet, ce genre de balade comme ça, où on s'amuse vraiment, qu'on va au rasso, et aider la chaîne à avoir du nouveau matos, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment ouf. Si vous avez envie de soutenir la chaîne pour ce genre de projet, n'hésitez pas, le Utip dans la description, c'est totalement gratuit pour vous. Vous avez juste à regarder des pubs, et moi je touche le revenu pub tout simplement, de ce que vous avez regardé. En général c'est 4 centimes par pub, environ ça varie. Donc merci à tous ceux qui le font déjà, et merci à ceux qui le feront suite à cette vidéo là. Et puis des bisous, on vous aime. N'empêche quand tu y penses, c'est vachement logique, tu laves ta caisse après avoir été au rasso. C'est pour laver les haters. Les phrases de haine qu'il y a eu sur la bagnole en mode hey, c'est quoi cette caisse de merde là. C'est toute la haine, c'est ça. Toute la haine, il faut nettoyer cette haine. Donc là je viens de filmer pendant 7 minutes un gars qui lavait sa voiture. J'adore ma vie. Jeune Jackie est souvent accompagné de sa petite Civic. Il aime faire ronronner sa voiture. Un tunnel. Enfin, semblant de tunnel. Ah, t'es rendu à combien? 24? Ouais, je sais plus, 24. Ah, 25. Eh, 25. Oh bah lui il est pas loin sa ligne. 26. Ça fait 6 ans que t'es plus. Et on a un gamin à la fin de 6 ans, 6 ans plus. Il est petit le monsieur de pain. Carbone derrière et tout, la boîte. Oh la taille de la transmission, elles sont toutes petites. Ok, deuxième journée, donc du coup, là il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, on va faire le tour. Et puis, toutes celles qu'on n'a pas vues hier, de toute façon, il y en a pas mal, il y en a pas mal, j'ai vu des belles choses. Et ben, on va faire le tour, tout simplement. Allez, c'est parti.
ça vous aura plu. Bah, en parlant de pluie, voilà, il pleut, voilà, la petite blague du... Ouais, c'est de la merde. Donc en tout cas, c'était un putain de week-end, vraiment un truc de taré. C'est un des meilleurs pour l'instant. Enfin, question voiture. Et parce que on s'est bien marré. Donc c'était vraiment cool. Comme j'ai dit dans les vidéos, YouTube, si vous voulez soutenir tout ça sur les futurs projets, et puis voilà, tout simplement, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'est Cordy. Salut.